Nous allons donc commencer nos échanges et je vais présenter nos trois invités. Madame Caméliane Toutoum-Leclerc, vous êtes ministre déléguée à l'enseignement supérieur au Gabon, présidente fondatrice du réseau des femmes africaines et première africaine à diriger la Confédération des associations des anciens de l'ENA. Vous êtes engagée depuis 10 ans pour la valorisation du leadership féminin. Madame Sylvie Goulard, vous êtes sous-gouverneur à la Banque de France en charge notamment du climat. Vous avez été conseillère du président de la Commission européenne, Romano Prodi. Vous avez également été députée européenne et ministre des armées au sein du premier gouvernement d'Édouard Philippe. Madame Asma Morine Azouzi, vous êtes experte en intelligence économique et militante associative. Vous dirigez un groupe d'entreprises et vous avez été élue entrepreneur de l'année par TV5 en 2019. Vous êtes engagée dans plusieurs réseaux, dont la REFE, l'association des réseaux francophones des femmes entrepreneurs dont vous êtes présidente. Alors, j'ai été chargée d'être la gardienne des horloges qui sont réglées à la perfection par l'équipe du Forum Génération Égalité. Je vous demanderai donc de bien respecter le temps imparti pour que nous puissions profiter de chacune de vos interventions. Je vous prie donc par avance de bien vouloir m'excuser si je me permets d'intervenir pour vous indiquer le temps qu'il vous reste. Alors, je vais vous poser la première question. La première question est la suivante. Quels sont les obstacles et les solutions se posent dans l'accès des femmes à la gouvernance? Et je vais passer la parole tout de suite à Madame Camélia Toutoum-Leclerc. Merci, ma chère Nathalie, et félicitations à Tsungap et au Forum de nous donner cette opportunité. En ce qui concerne les obstacles, si vous me permettez, je vais me focaliser sur les femmes africaines qui, elles, souvent font face, et moi, quand j'ai commencé ma carrière, au poids de l'influence traditionnelle et culturelle dans nos administrations, dans notre management. C'est pour ça que nous prônons un management africain basé sur les atouts et les sens des femmes, notamment le sens de l'empathie, la gestion du groupe, le sens de l'écoute, et nous voulons refuser combattre tous les stéréotypes du genre « elle fait comme un homme, elle travaille comme un homme ». Non, on doit pouvoir dire que nous sommes des femmes valeureuses, capables d'assumer nos fonctions et d'être à des postes de responsabilité. Et là, nous traversons actuellement au niveau mondial, ont montré que malgré tout l'arsenal juridique qui est pris pour protéger les femmes, pour aller vers l'égalité homme-femme, eh bien, ça se heurte à la réalité du terrain. Nous avons encore des inégalités au niveau de l'éducation, au niveau de l'accès aux soins de santé, au niveau même de l'accès à certains postes. Et là, il faut que les femmes elles-mêmes puissent savoir qu'au-delà des postes de nomination, il faut elles-mêmes qu'elles puissent se présenter et candidater à cette fonction-là, parce qu'il fait les plafonds de verre et décoller aussi nos semelles des planchers pour valoriser notre leadership. Soyons des actes qui refusons de céder nos places dans le bus de l'histoire pour que l'avenir de notre chère Afrique passera essentiellement par les femmes. Et c'est fondamental de faire ce renforcement de capacité qui parfois manque de confiance en elle, et il faut faire ce plaidoyer au niveau mondial comme Tugap sur les questions de genre, de diversité, de mixité, pour que les femmes puissent prendre conscience de leur rôle, mais qu'elles s'inspirent aussi de ce que les autres femmes font dans d'autres et dans d'autres continents. Camélia, je cède la parole à Madame Sylvie Goulard pour répondre à cette même question. Bon, d'abord, merci beaucoup. Je suis extrêmement heureuse d'être avec vous. Et puis, aux côtés de femmes qui viennent d'Afrique et qui sont un continent jeune et vibrant. Et donc, je crois qu'on va arriver à faire bouger les choses. Vous avez employé, Camélia, le mot de plafond de verre. J'ai l'impression qu'il est presque un peu gentil, ce mot-là. Parce que moi, j'ai plutôt l'impression d'un couvercle qu'on maintient sur la tête des femmes. Il y a des stratégies, alors peut-être inconscientes, hein, parce que toute l'éducation, tout le système dans lequel on vit, dans la société, dans l'économie, a été conçu, créé par des hommes et basé sur une forme de cooptation. Et puis, il y a aussi peut-être maintenant ceux qui ont un peu peur qu'on prenne leur place et qui donc maintiennent ce couvercle. Alors, les solutions, parce que c'est plus important que les analyses.
D'abord, vous l'avez dit, Nathalie, le partage de la décision. C'est extrêmement important qu'il y ait des femmes nommées à des postes de responsabilité. Et franchement, les Européens n'ont pas forcément des leçons à donner au reste du monde. Par exemple, dans le monde des banques centrales, dans l'eurosystème, qui gère la monnaie, l'euro, depuis sa création, il y a 20 ans, il y a eu 93% des décideurs qui ont été des hommes. Donc je me réjouis d'autant plus que Christine Lagarde soit là. De même, Ursula von der Leyen est la première femme à la tête de la Commission européenne. Et Ursula a lancé en Allemagne une campagne fabuleuse où un certain nombre de femmes revendiquent d'avoir été nommées à cause de quotas. Ça s'appelle « Ich bin eine Quotenfrau ». Et je crois que c'est justement ça, c'est oser dire que ben oui, c'est normal qu'on instaure des quotas, c'est normal que des femmes compétentes, évidemment, il n'y a aucun doute sur la question, accèdent à ces responsabilités. Parce que le scandale, ce n'est pas qu'on fasse accéder des femmes compétentes par des quotas, c'était que jusqu'à présent, il n'y ait pas de femmes dans les enceintes. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que vraiment, vous l'avez dit, on a besoin de bases de femmes expertes, c'était dans votre petite présentation, on a besoin de regrouper les CV, puisque la cooptation naturelle se faisait par d'autres voies, il faut montrer que ces femmes compétentes et décidées existent. Et dernière chose, je crois qu'il faut arriver à transformer les processus de décision. L'idée, ce n'est pas seulement qu'en nombre, on ait plus de femmes, c'est que les choses se fassent différemment parce qu'il y aura des hommes, bien sûr, et des femmes. Merci, chère Sylvie Goulard. Je passe la parole à Asma Morin sur le même sujet. Alors, Nathalie, déjà, merci beaucoup pour l'invitation et bonne chance pour The Gap. Et en fait, moi, étant femme entrepreneur, j'ai un prisme plutôt économique. Et donc, le constat, bon, il faut quand même le rappeler, c'est que les femmes ne sont pas là au niveau des réseaux professionnels, au niveau des chambres de commerce. Et puis aussi au niveau des grandes entreprises, au niveau des entreprises même nationales, leur présence au niveau des conseils d'administration sont encore très faibles. Et même l'entrepreneuriat en lui-même, les femmes ont très peu envie ou le courage de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et là, on atteste les taux qui sont, bon, je parle du continent peut-être un peu moins en Europe, mais sur d'autres continents et notamment le continent africain, en tout cas au nord de l'Afrique, le taux d'accès des femmes à l'entrepreneuriat est de l'ordre de 10%, ce qui est encore très très faible. Je sais qu'il y a des pays africains où ce taux est beaucoup plus élevé, mais ça reste quand même une présence qui n'est pas, disons, satisfaisante. Et là, bon, ce sont des problèmes d'ordre culturel, d'ordre législatif aussi. Ce sont aussi donc ce manque de présence tout simplement de femmes. Alors, quelles sont les solutions? Alors, pour moi, je pense qu'il y a une responsabilité énorme des femmes qui sont déjà en poste, des femmes qui ont réussi à dépasser ce plafond de verre et qui sont à tous les niveaux. Hein. On les voit partout, des femmes qui sont visibles, politiques, économiques, dans les grosses associations. Et donc, ce sont des femmes qui ont vraiment une grosse, grosse responsabilité de favoriser et d'aider les autres femmes et de favoriser donc les mesures qui pourraient améliorer la présence des femmes au niveau de tout l'écosystème économique. Alors, je parle de mon expérience parce que j'ai été présidente, je suis actuellement présidente du réseau des femmes entrepreneurs africaines, mais j'ai aussi été présidente de l'association des femmes entrepreneurs du Maroc et je peux vous dire que le combat est très dur parce que arriver à créer son entreprise, ça demande énormément, si vous voulez, de ressources mentales et de capacité à résister à un monde d'hommes, de résister à un écosystème qui n'est pas favorable, et donc ça nécessite beaucoup de courage. Donc c'est pour ça que les médias doivent aussi nous aider, mettre en avant des role models, des femmes qui ont réussi, elles existent, parce que dire que une femme qui est de notre milieu, qui est de notre région a réussi, ça donne envie aux autres femmes de réussir. Et je pense que un réseau comme The Gap a un grand rôle à jouer pour justement mettre en place des structures de partage.
Merci à toutes les trois pour vos analyses sur ce sujet, sur les obstacles et surtout les solutions à envisager. Dans ce contexte, je voudrais vous poser donc une deuxième question. Quel rôle peuvent jouer les réseaux professionnels féminins pour accélérer l'accès des femmes aux postes de décision et favoriser le partage de la gouvernance entre les femmes et les hommes? Madame Sylvie Goulard, je vous propose de commencer à répondre à cette question. Merci beaucoup. Alors effectivement, les réseaux, c'est important. Enfin, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais pour tous ceux qui nous écoutent. Pourquoi? Parce que je dirais, comme il y a des cooptations naturelles qui se faisaient autrefois, et souvent les femmes sont un peu plus démunies. Donc c'est un élément important pour avoir accès à de l'information sur des postes qui vont se libérer, pour gagner confiance en soi, ça vient d'être très bien dit. À la Banque de France, un réseau de promotion de l'égalité a été lancé en 2016, qui s'appelle Talentuel, qui est très actif. Je veux rendre hommage à toutes les personnes qui y sont actives. Et je tiens à souligner qu'il n'y a pas que des femmes dans ce réseau. 25% des personnes qui contribuent sont des hommes, dont le mérite est particulièrement grand, parce que la question qui nous occupe aujourd'hui, ça n'est pas une bataille des femmes contre les hommes, c'est une bataille des femmes et des hommes ensemble qui ont envie de changer la société pour la rendre plus juste, pour mieux utiliser les talents, pour faire en sorte que tout le monde s'épanouisse. Et dans le changement de ces rôles traditionnels, il y a aussi la possibilité pour les hommes de gagner beaucoup, d'avoir, bon, en France maintenant, on a un congé de paternité assez long pour pouvoir s'occuper des enfants s'ils en ont envie, s'occuper des parents âgés, avoir d'autres activités et pas être enfermé dans le rôle traditionnel du père de famille. Donc des réseaux qui sont importants, il est important qu'ils soient mixtes. N'oublions pas qu'il y a à l'inverse des professions dans lesquelles les femmes sont surreprésentées. Ce sont souvent des professions dans lesquelles on a moins de pouvoir, où on est moins bien payé. Donc, dans ces mondes-là, il faudrait peut-être faire la bataille du rétablissement de la mixité en sens inverse. Et je crois que le plus important dans ce que nous avons fait, d'après les échos que nous avons, c'est le mentorat. C'est-à-dire que des personnes, hommes ou femmes, s'occupent de jeunes, leur consacrent du temps, qui est peut-être l'une des choses dont on a le plus besoin en ce moment, incarnent humainement la génération d'avant, mettre le pied à l'étrier, tout ça est un peu peut-être vieillot, mais on l'avait oublié, et ça marche formidablement, et c'est de très belles rencontres. Donc tous ces réseaux, je crois que c'est moins des réseaux de bataille que des réseaux de prise en compte de ce qu'il y a de plus fort dans l'humanité, c'est-à-dire la solidarité entre hommes et femmes, et entre générations. Merci Sylvie Goulard pour cette réponse. Je vais passer la parole maintenant à Saint-Borine pour répondre sur le même sujet. Alors bon, je connais très bien les réseaux féminins donc professionnels et je sais que ce sont des espaces par expérience, ce sont des espaces vitaux pour les femmes entrepreneurs. En tout cas, ce sont des espaces où on va se retrouver entre nous, femmes qui avons les mêmes soucis, les mêmes aspirations. C'est du soutien psychologique entre nous. Ça nous permet de nous solidariser, de nous dire que nous ne sommes pas seules devant certains obstacles qui sont peut-être différents des obstacles que peuvent rencontrer les hommes, donc nuancés. Donc c'est vraiment du soutien psychologique et ce sont aussi des thérapies de groupe. Il ne faut pas l'oublier parce qu'il faut aussi garder le mental pour être entrepreneur et réussir et résister. Et donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect, disons, purement professionnel qui va être donc le réseautage, qui va être aussi l'accès privilégié à l'information. Et puis aussi, quand nous sommes une association qui est puissante, le rôle que l'on peut jouer auprès des pouvoirs publics en termes de lobbying, en termes d'influence, justement pour apporter notre militantisme pour améliorer la présence des femmes dans les conseils d'administration, la discrimination positive, donc pour mettre en place des quotas. Ces rôles-là sont extrêmement importants. Et là, il y a aussi, et là on l'a expérimenté dans une association, c'est que les femmes aident les femmes. Et ça, j'y crois beaucoup. Et là, c'est vraiment, ça a été la mise en place d'incubateurs féminins au sein d'associations de femmes entrepreneurs. Et donc là, il y a un transfert de si vous voulez, d'expérience, de solidarité qui fait que les jeunes femmes sont dans des incubateurs où elles ont comme modèle les femmes qui sont dans l'association.
Et ça, c'est extraordinaire et ça peut être des choses disons, dupliquer et à généraliser parce que ça donne d'excellents résultats. Ce sont ces best practices qui vont nous permettre d'avancer et d'aller sur des réussites déjà acquises, enfin bon, réalisées pour aller de l'avant. Donc, les réseaux féminins, c'est vrai que la mixité, c'est très important. Mais on a aussi besoin d'être ensemble et évidemment, ça ne nous empêche pas d'être dans des réseaux mixtes également à côté. C'est très important les réseaux féminins professionnels. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vois que Camélia Toutoum-Leclerc a un problème de connexion. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la troisième question et quand Camélia arrivera à se reconnecter, elle nous dira quelques mots de l'importance des réseaux féminins de son point de vue. Ce que je voulais voir dans ce troisième moment avec vous, c'est quel est le message que vous adresseriez aux jeunes générations et aux jeunes femmes qui se lancent dans une carrière professionnelle et qui souhaitent accéder à des postes de responsabilité, y compris les plus élevés. Parce que comme vous le savez, le Forum Génération Égalité, c'est un forum transgénérationnel et c'est très important pour ce jeune public d'avoir des messages de la part de personnalités comme les vôtres. Donc Sylvie Goulard, je vous propose de commencer à répondre à cette question. Oui, et puis surtout, n'hésitez pas quand Camélia revient, parce que je trouve que son témoignage est précieux, vous pouvez m'interrompre, je vais essayer d'être brève. J'aurais tendance à dire aux jeunes générations qu'il faut qu'elles osent. Il faut continuer à oser, il ne faut pas croire que l'égalité soit atteinte, il faut en prendre conscience, il faut courtoisement ne jamais se laisser faire en rappelant des chiffres. Hein. Parfois, moi, j'ai entendu des choses bizarres dans ma vie où on me dit on vise la parité, donc l'objectif, c'est 30% de femmes. Ben non, la parité, c'est 50%. Donc, il ne faut pas se laisser faire, comme diraient les Anglais, facts and figures, de manière très sobre, ça, c'est important. Continuer à se battre pour qu'il y ait, à mon sens, des quotas, parce qu'on a bien vu que quand on reste dans le volontaire, gentil, ben, ça n'avance pas forcément énormément, même s'il y a des endroits où les choses progressent. Et puis aussi, je crois que ce qui est important, c'est de s'engager pour la diversité au sens large. Encore une fois, la place des femmes dans la société, votre petit film commencé par 50% d'humanité, oui, c'est pas du tout une minorité, c'est la moitié de l'humanité, donc ça mérite qu'on s'y intéresse. Mais je dirais que la diversité est une vertu en tant que telle. Donc se battre aussi pour les travailleurs handicapés, pour les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, pour veiller à ce que, je dirais, les conseils d'administration ressemblent un peu à ce qu'on voit dans le métro, avec la fabuleuse diversité de la société française, qui n'est pas composée uniquement, non seulement d'hommes, mais de personnes d'un certain âge et de certaines ethnies, etc. En France, c'est toujours quelque chose d'assez tabou, mais je crois qu'on a des gros progrès à faire, et c'est aussi très important pour que nos sociétés, nos entreprises bénéficient de la diversité. Encore une fois, je crois qu'il faut être très positif. Quand on a des équipes mixtes, on est meilleur. On est plus fort. Et quelles que soient les formes de diversité, même si au début, parfois, on a moins l'habitude, ben, il faut aller chercher tout le monde, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose. Et quand vous disiez tout à l'heure que c'est important pour la gouvernance et la prise de décision, moi, je suis très frappée dans le monde des banques centrales, des retours que nous avons, des sondages sur l'économie. Les préoccupations des femmes, les préoccupations des catégories les plus défavorisées, où il y a un certain nombre de personnes étrangères, ne sont pas exactement les mêmes que celles des hommes. Et donc, si dans la prise de décision, vous n'avez que des hommes et dans l'impact économique et social, vous avez d'autres types de profils, là, il y a quelque chose qui est perdu en ligne, les institutions sont moins légitimes. Donc, c'est particulièrement important que nous nous battions tous ensemble de manière à ce que la diversité progresse. Donc, je dirais aux jeunes femmes et aux jeunes hommes aussi qui ont envie d'une société différente, osez. Merci beaucoup Sylvie Goulard. Asma ? Alors, moi c'est un petit peu le combat de ma vie, c'est que mon rêve c'est que toutes les petites filles, les petites jeunes filles sachent qu'il y a autre chose à faire, hein. Bien sûr, on peut avoir une carrière dans le salariat, on peut avoir une carrière sportive, on peut avoir tout ce qu'on veut. Moi, je suis dans mon dada qui est l'entrepreneuriat féminin et pour moi, acquérir l'autonomie financière par soi-même, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y a énormément de jeunes qui s'autolimitent parce que
elle se dit, c'est pas pour moi, je ne pourrais pas, c'est trop difficile, on ne va pas m'aider, si j'avais de l'échec. Et donc, c'est là où je dis, vraiment, travaillez vos soft skills, travaillez, soyez vous-même, laissez votre personnalité s'exprimer, laissez votre créativité s'exprimer et essayez. Madame Goulard a dit, osez. Effectivement, il faut oser, il faut tout le temps oser, prendre des risques, parce que finalement, qu'est-ce qu'on perd quand on prend quand même des risques qui sont méprisés? On ne perd rien. Après, on échoue, ce n'est pas grave, on recommence. Donc l'essentiel, c'est de libérer les énergies et que les femmes arrêtent de s'auto-limiter. Parce que bien évidemment, il y a un environnement qui n'est pas propice, qui n'est pas dans cette égalité, parce que les hommes sont contents d'être entre eux et que bon, ils vont difficilement nous laisser, très difficilement nous laisser la place, nous faire notre place. Mais je dis, il y a aussi notre responsabilité qui est vraiment importante, parce que quelles que soient les sociétés où on vit maintenant, en tout cas la majorité des sociétés, elles se libèrent de plus en plus de certaines contraintes politiques, économiques, et donc de plus en plus la femme ne peut pas dire je n'ai pas les conditions favorables. C'est vrai, elles ne sont pas idéales, elles ne sont pas toujours optimales, mais pour quelqu'un qui veut, quelqu'un qui a de la volonté, quelqu'un qui en veut, il y a toujours possibilité de réussir, et on l'a vu, même dans des sociétés très fermées, des sociétés dures, on a l'émergence de certaines femmes. Donc c'est possible. Donc je pense que les femmes dans le monde entier devraient prendre leur petit bâton de pèlerin et aller de l'avant, parce que ça vaut le coup. Après, bon, quand on réalise son rêve, même si on ne le réalise pas tout de suite, parce qu'on ne le réalise jamais tout de suite, on a toujours des choses à faire, donc qu'on y aille petit à petit. Et c'est vraiment le message aux jeunes femmes que je voudrais lancer aujourd'hui. Merci, merci beaucoup Asma. Alors, je comprends que Camélia nous a retrouvés. Je ne sais pas si elle nous entend ou si elle peut intervenir. Formidable, merci Camélia. Alors, voilà, on voulait vous poser cette question. Quel est le rôle, de votre point de vue, que peuvent jouer les réseaux professionnels féminins pour accélérer l'accès des femmes aux postes de décision? Un rôle fondamental, parce qu'il y a d'abord des valeurs que nous partageons qui sont liées à la sororité, qui sont liées à la solidarité, qui sont liées au service, mais aussi grâce à tous ces rôles modèles inspirants qui peuvent justement nous aider à nous surpasser. Mandela disait qu'aucun de nous seuls ne peut atteindre le succès. Nous devons être les maillons d'une longue et forte chaîne de solidarité. C'est ces femmes-là, justement, à prendre leur place. Et j'ai beaucoup aimé une fois, en écoutant Isabelle Huzon, elle disait, soyez consciente de la force de votre réseau. Comme on a madame et madame, je voudrais rappeler ce que Christine Lagarde nous avait dit, qu'il ne faut jamais lâcher la cause des femmes. Et la célèbre Wangari Maathai nous a dit, nous n'avons le droit ni de faire, ni de renoncer. Alors ces réseaux vont être vraiment d'avoir confiance en nous, de pouvoir prendre dans toute décision qui impacte les politiques publiques dans nos pays. Et la place de la femme est centrale. Et j'aime souvent dire qu'au Gabon, par exemple, nous sommes 52% de la population et nous mettons au monde les 48 autres. Ici, nous avons une femme qui est présidente de la Cour constitutionnelle, une femme première ministre et une femme présidente du Sénat. Et actuellement, nous avons voté une loi pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous sommes dans une stratégie globale où il y a un volontarisme politique au sommet de l'État, mais il faut que dans les réseaux féminins, nous arrivons à nous organiser pour prendre notre place. Merci beaucoup Camélia, et je vous adresse directement la troisième question à laquelle Sylvie Goulard et Assa Maureen ont commencé à répondre. Quel est le message que vous adresseriez, vous, aux jeunes femmes qui se lancent dans une carrière professionnelle aujourd'hui et qui souhaitent accéder à des postes de responsabilité, y compris au plus haut niveau? Croire d'abord en elles. Parce que vous savez, l'évolution de la carrière professionnelle est d'abord une décision personnelle. C'est de se dire que la force n'a pas de genre, l'intelligence n'a pas de genre et que le courage n'a vraiment pas de limite. Il faut
Souvent chez nous en Afrique, on attend les postes de nomination parce qu'on s'est distingué. Mais il faut aussi candidater. Il faut aller vers les plus, qui ont plus d'expérience. Et là, le coaching et le mentoring est important. Accepter d'être coaché, d'avoir un peu des petites marraines qui nous guident lorsqu'on prend nos premières responsabilités. Il faut aussi faire preuve d'idée et d'un grand sens d'écoute. Et surtout se dire qu'il y a la force de notre esprit de nous permettre de réaliser. Et j'ai foi en ces jeunes. Je suis convaincue qu'en Europe et même en aujourd'hui, le réveil et l'évolution du continent africain sera nécessairement les femmes. On est déterminés à passer et à regagner le gap. Je fais un clin d'œil au réseau sous gap. Là, oui, on veut passer ce gap parce qu'on mérite d'être à la place qu'il nous faut. Merci Camélia. En fait, To Gap, c'est un double clin d'œil, c'est-à-dire franchir le gap entre les hommes et les femmes, mais franchir voilà. Le gap aussi entre le secteur privé et le secteur public. D'où To Gap. Donc, c'est un clin d'œil des deux yeux, en réalité. Je vous propose, à ce stade de notre échange, les questions qui viennent du public et notamment une question sur les réseaux que je pourrais peut-être adresser à Asma Maureen. On nous demande comment les femmes de terrain qui sont seules là où elles sont dans leur environnement professionnel peuvent entrer dans des réseaux, comment elles peuvent prendre connaissance de l'existence de ces réseaux et comment peuvent-elles entrer dans ces réseaux. Il y a une demande, mais en même temps, elles se sentent probablement un peu démunies vis-à-vis de l'information peut-être. Vous savez, les réseaux professionnels, ça existe partout, mais vraiment partout. Donc, non seulement les réseaux tels qu'on les connaît, c'est-à-dire des structures qui sont organisées, bien évidemment, l'information existe partout. C'est quelque chose qu'on retrouve facilement. Il y a de plus en plus des réseaux virtuels. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier, les réseaux sociaux maintenant jouent un rôle primordial. Et il y a également, donc, comme j'ai dit, des groupes qui existent et qui sont sur des réseaux professionnels comme LinkedIn, comme donc d'autres réseaux sociaux professionnels où on va avoir la possibilité de partager même virtuellement. Bon, après cette période Covid, ça devient quelque chose d'assez banal. Et donc, en fait, l'information, elle existe. Il suffit juste de vraiment la trouver et de s'impliquer. Parce que être dans un réseau, il faut être dans une disposition de partage. Il faut donner et recevoir, ne pas aller adhérer à un groupe ou à un réseau et se dire « bon, on va m'aider, on va vous aider », mais il faut aussi apporter des choses. Donc, c'est un lieu de partage, de partage d'expérience, de partage tout court, où il faut s'impliquer soi-même et pour pouvoir recevoir, s'impliquer également si possible dans les instances de l'association pour pouvoir être un acteur réel. Et proposer des choses et donc représenter les autres femmes. Donc ça, je parle des réseaux féminins, mais il y a aussi les réseaux mixtes, les patronats, les chambres syndicales, les chambres de commerce. Donc il y a énormément d'espaces où on peut agir, où on peut sortir, si vous voulez, de l'isolement, parce que l'isolement, la solitude de l'entrepreneur, elle peut être terrible. Et donc être dans un réseau est quelque chose qui permet de créer, si vous voulez, du lien utile, tout simplement. Merci Asma. Une autre question qui nous vient et qui s'adresse peut-être plus particulièrement à Sylvie Goulard. Dans quelle mesure dans le monde économique et financier, on voit que le partage de la décision entre les femmes et les hommes a un impact? Alors, c'est une très bonne question. Encore une fois, c'est toujours extrêmement difficile à mesurer. Par exemple, il y a des études pour savoir si les femmes dans les conseils d'administration des banques centrales ont des comportements plutôt favorables à des politiques monétaires expansives ou pas. Je pense qu'il faut prendre tout ça avec un peu de précaution pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure. Quand vous avez eu depuis la création de la BCE seulement 7% de femmes sur l'ensemble des gouverneurs et membres du directoire qui ont été présentes, je ne vois pas quelle conclusion on peut en tirer. En revanche, ce qui est certain, je vous ai dit, dans les
ce que révèlent les sondages, les enquêtes que nous faisons, c'est que par exemple l'attention aux inégalités, l'attention au pouvoir d'achat, à la hausse des prix par exemple, sont beaucoup plus présentes dans les réponses des femmes que dans celles des hommes qui ont une vision un peu plus macroéconomique. Ils ont peut-être aussi des niveaux de formation plus élevés. Je crois qu'il y a cette attention à la vie quotidienne peut-être. Hein. Les femmes, elles font de l'économie en allant remplir le frigo souvent. C'est souvent de leur côté qu'il y a cette responsabilité-là. Et il faut garder ça à l'esprit. Mais encore une fois, les études sont parfois sur des échantillons trop peu représentatifs pour qu'on en tire des grandes conséquences. Et je crois que l'objet, encore une fois, c'est de faire en sorte que les hommes soient convaincus de tenir compte de la vie des femmes dans les prises de décision et de la vie de tout le monde, si j'ose dire, de toutes les couches de la société. Merci Sylvie Goulard, vous me donnez vraiment l'occasion de poser une autre question qui est justement en lien avec ce que vous venez de dire et que j'adresserai plus particulièrement à Camélia. Comment convaincre les hommes que le partage de la décision se fait au bénéfice de tous et de la société ? Pour convaincre, c'est d'abord sur nos propres et nos canaux de sens de l'empathie, sens de l'organisation, sens de l'autre. On a bien vu que lorsque les femmes participent au processus, ces décisions sont très, très largement partagées et elles sont pérennes. Elles se font sur le temps. Les ont sincères et durables. Et la co-décision est très importante parce qu'elle permet une co-construction des solutions, notamment dans le domaine public. La femme va toujours associer l'homme, donc on est dans une co-élaboration et elle permet de penser vraiment, si on peut le dire, à 360 avec une multitude de regards. Donc, tout ce que nous avons, les hommes ont intérêt à nous associer. Et comme je disais, nous sommes la moitié de l'humanité. Il faut qu'ils puissent tenir compte de ce que nous pensons. Parce que sinon, le danger, c'est d'avoir une décision prise par des hommes, pour des hommes, et où la place de la femme et le regard de la femme n'est pas en compte. Donc, les hommes qui veulent vraiment avoir de producteurs, voir leur entreprise décoller, voir les politiques publiques bien plus mises en œuvre, parce que les femmes aussi sont des atouts pour la lutte contre la corruption. Et la bonne gouvernance, ce sont des questionnaires. Elles aussi de l'efficacité et elles sont minutieuses dans leurs décisions. Elles vont dans le sens du détail. Donc, c'est bénéfice pour ces messieurs de nous associer. Merci Camélia. Et comme le disait Sylvie Goulard, on n'a pas toujours beaucoup d'études sur l'impact de la place des femmes dans la décision. On a des études sur les entreprises privées où on voit bien qu'il y a des conséquences très positives sur les résultats des entreprises, mais pour le secteur public, c'est plus difficile à démontrer. Pour autant, on sait que quand les femmes participent au processus de paix, ça augmente de 30% les chances de ces accords de paix de durer au-delà de 15 ans. Donc, on voit bien quand même, y compris dans la décision publique et dans la préparation d'un monde pacifié, la place des femmes, partagée entre femmes et hommes est un bénéfice pour tous. Je me permets de vous poser donc la dernière question qui remonte du public également et qu'on a le temps de pouvoir vous poser. Je l'adresserai à Sylvie Goulard. La France va prendre la présidence de l'Union européenne en janvier 2023. Quel rôle pourrait jouer l'Europe pour renforcer le partage de la décision entre les femmes et les hommes ? Alors, la présidence, c'est en janvier 2022, donc la prochaine année. Mais alors, je crois que l'Europe a déjà énormément apporté. Quand j'étais au Parlement européen, je me souviens très bien, par exemple, des discussions que nous avions menées pour encourager la féminisation du directoire de la BCE, par exemple. Et un collègue finlandais m'avait appris qu'en Finlande, les femmes ont eu le droit de vote dès le tout début du XXe siècle, c'est-à-dire près de 40 ans avant les femmes françaises. Nous bénéficions de toute cette coopération avec les pays nordiques qui sont parfois plus avancés. Et nous avons aussi la chance, je connais une association italienne qui s'appelle Valore di, pour Donna, comme les femmes, qui est une association extraordinaire avec laquelle j'ai beaucoup appris. Donc l'Europe s'est déjà
une enceinte fabuleuse pour savoir qui fait mieux les choses, pour apprendre les uns des autres. Les législations européennes sont également un élément important quand elles sont mises en place, par exemple, pour faire avancer la parité. Le rôle modèle dans les institutions, je l'ai dit, avec Ursula von der Leyen, Margaret Vestager, Elisa Ferreira, ou encore Christine Lagarde ou Isabelle Schnabel à la BCE. Et encore une fois, une Europe ouverte sur le monde et sur l'Afrique, parce qu'on voit bien la qualité de nos partenaires du Sud sur ces sujets-là, et ce sont des pays où on a aussi des initiatives dont on a quelque chose à apprendre. À toutes les trois, nous allons donc devoir conclure ici nos échanges parce que nous sommes au terme de notre table ronde. Comme ça vous l'a été indiqué dans notre petite vidéo tout à l'heure, TOUGAP a lancé sa branche Afrique en mars dernier et a lancé son réseau Méditerranée 1 en juin. Et nous souhaitons partager avec le plus de pays possible notre méthode dont nous avons vu qu'elle faisait ses preuves. Et c'est la raison pour laquelle, portée par la dynamique de la coalition 6 du Forum Génération Égalité, cette coalition 6, elle s'intitule Mouvement Féministe et Leadership, et nous en sommes membres, nous sommes très fiers de pouvoir être membres de cette coalition, nous lançons, comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui TOUGAP Monde, et nous souhaitons porter le pouvoir de décider. Le pouvoir de décider, c'est le pouvoir d'agir, c'est le pouvoir de changer nos vies. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est changer nos vies, celles des hommes, celles des femmes. C'est le pouvoir de changer le monde. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. C'est ce qui a été dit hier à de nombreuses reprises lors de l'inauguration du Forum Génération Égalité. Et pour y parvenir, il faut qu'on utilise tous les moyens qui sont à notre disposition. Et là, je me permets de m'adresser au réseau professionnel féminin et mixte qui peuvent nous écouter ce matin. Partout où vous êtes, connectez-vous, rassemblez-vous formellement ou informellement dans les configurations qui sont adaptées à votre environnement pour conjuguer vos forces, pour partager vos expériences, pour mettre vos compétences et vos expertises au service de propositions et d'actions concrètes. C'est très important pour accélérer le partage de la décision entre les femmes et les hommes. Alors, on vous lance un appel, rejoignez notre laboratoire d'idées mondiales qui s'est construit, participez à nos actions collectives, rejoignez TOUGAP, pour construire un monde qui sera plus juste, plus durable, pacifié, comme on vient de le dire à l'instant. Et n'attendons pas, c'est maintenant. Et je me permets maintenant de vous remercier d'avoir assisté au lancement mondial de notre initiative et laissez-moi adresser tout particulièrement mes remerciements à nos trois invités, Madame Camélia Toutoum-Leclerc, Madame Sylvie Goulard, Madame Maureen Azouzi, qui nous ont permis de franchir un pas supplémentaire dans nos réflexions et qui ont été pour nous surtout des sources d'inspiration. Un très grand merci à vous trois, mesdames, et merci à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir et très belle journée. Oui, au revoir.